Voyez, voici. Goûtez. Goûtez. Oh, certainement pas de musique en faisant la cuisine. Oh, pas de musique. Pas de musique en faisant la cuisine. Oh, et pas de musique en faisant la cuisine, pas de musique. Ou à la rigueur, pour distraire de l'ennui d'éplucher les légumes. Et encore, ce serait se priver du chuchotement du couteau contre la peau tendre des aubergines, ou contre celle plus sévère des carottes, du bruit menu mais sec du nettoyage des haricots verts, délicat et vigoureux de chaque côté avec les doigts, et la répétition lancinante de tout bruissement, rumeur, infime craquement qui apaise avant les émotions de la cuisson et des transformations plus risquées. Et alors là, quel vacarme, crépitement, pétarade, ronronnement, sifflet, et le cœur qui bat de la musique. Elle aimait la vie. J'ai sa procuration pour les gourmandises et pour le bonheur. Si tu es heureuse, ma princesse. Les macarons sont les gâteaux des bienheureux. Je ne savais pas pourquoi je les aimais tant, ces petits gâteaux. Maintenant, je le devine. Pour elle. Pour nous. Peut-être parce qu'ils sont venus d'ailleurs, des rives de Méditerranée. Pour leur généalogie secrète et peut-être rêvée. Peut-être parce qu'ils ressemblent à des pois, à des boutons de vêtements de poupées, à des couleurs de feutre à l'eau. Tout ce qu'il faut apprendre et dont il faut se souvenir. Mes macarons sont des petites mémoires de toutes les couleurs. Un petit éclat de mémoire, une mémoire qui se perd, se retrouve, qui s'invente et qui, à certains, murmure autre chose. Goûter un plat conforme à la volonté de Dieu est un des plaisirs les plus raffinés dont l'homme puisse jouir, à ne partager même pas avec la personne qu'on aime. En rentrant chez lui, à Marinella, il trouva sur la table de la cuisine un billet d'Adelina, sa bonne. Mi scusasse se mi permetto, che domani sera, essendo che capo dell'anno, essendo che i miei due figli sono abituati alla libertà, preparo gli arancini che tanto ci piacciono. Se vossia mi vuole fare un piacere di passare, l'indirizzo usato. Adelina avait deux fils délinquants qui entraient et sortaient de la prison. C'était une heureuse conjonction, rare comme le passage de la comète Halley, qu'ils se trouvent tous les deux en même temps en liberté. Et donc, à fêter solennellement avec les arancini. De Jésus, les arancini d'Adelina. Il ne les avait goûtés qu'une seule fois. Un souvenir qui lui était passé dans l'ADN. L'ADN. Entrer dans le patrimoine génétique. Adelina ci metteva due giornate sane sane a prepararle. Adelina, il mettait bien deux bonnes journées à les préparer. La ricetta. Elle en connaissait par cœur la recette. Il giorno avanti. La veille. Avanti. La veille. Avanti. La veille. Si fa un ingrassato di vitellone e di maiale in parti uguali.
fait un aggrassato de veau et de porc en partie égale. Il doit cuire à feu très doux. Per ore e ore. Pendant des heures et des heures. Con cipolla. Avec des oignons. Umaro, de la tomate. Sedano, du céleri. Semolo, basilico. Du basilic. Il giorno appresso. Le lendemain. Appresso. Le lendemain. Si prépare un risotto. On prépare un risotto. Quelle che chiamano la milanese. Monsieur qu'on appelle à la milanaise. Senza zafferano. Sans safran, par pitié. Intanto. Intanto. Si cuociono i pisellini. On cuit les petits pois. Si fa una bella béchamel. On fait une béchamel. E si riducono. E si riducono in a poco di fette di salame. Oui, des petits bouts de salami. Si fa tutta una composta. On fait un mélange. Con la carne aggrassata. Avec la triturata, viande. A mano con la mezza. La viande hachée avec le hachoir demi-lune. Niente frullatore, hein? Ah oui, pas de mixeur, hein? Carità di Dio. Pour l'amour de Dieu. Il sugo della carne. La sauce de la viande. Si mischia con il risotto. Se mélange au risotto. E attenzione, attenzione. Et attention, attention. Signori e signori. Mesdames et messieurs. Che a questo punto. À ce moment. Si piglia tanticchie di risotto. Prend un petit peu de risotto. La sistema nel palmo della mano. On le met dans la paume de la main. Fatta conca. Comme une conque, en forme de conque. Conca. Une conque. La conca. Una conca, une conque. Ci si mette dentro. On met dedans. Un cucchiaio di composta. Petite cuillère du mélange. Si copre con l'altro riso a formare una bella palla. Et on fait une belle boulette. Una bella palla. Une belle boulette. Ogni palla. Sa boulette. Si fa rotolare nella farina. Et roulée dans la farine. Si passe nel bianco dell'uovo. Le blanc d'œuf. E nel pane grattato. Et la saplure. Grattato. Oui, Carmelo. Dopo. Après. Tutti gli arancini. Tous les arancini. Infilano in una paredda d'olio bollente. Ils sont mis dans une cuvette d'huile bouillante. Fino a quando riescono un colore d'oro. Ah oui, on les fait frire jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur vieille. Si lasciano scolare nella gatta. Voilà. E alla fine. Et à la fin. Ringraziamo, signor Uzzo. On les mange.